Hello tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur... sur quoi déjà? Sur Sly 2, voilà. J'allais dire sur The Legend of Zelda, ok ça commence super bien, c'est super cool. Alors, je vous retrouve un petit peu avec Sly alors qu'on est censé prendre Bentley parce qu'on a la mission juste ici, mais on va refaire un petit chouïa de tour... Ah mais non, regardez, il y a des missions avec Sly là-bas. Oh bah c'est bon alors. C'est bon, mais j'allais vous dire, bah on va se refaire quelques missions bouteilles. Il faut qu'on explore un peu plus, il y a plein de parties de la map qu'on n'a pas regardé. D'après vous, on est sur un des niveaux. Ça commence très bien. On est sur un des niveaux les plus chiants de ce Sly 2. Apparemment le boss est super difficile, ou bien rageant du moins. Il n'est pas forcément difficile, mais quand on n'a pas la téchonique, il est possible qu'on rage. On verra bien. Hop, j'espère ne pas alerter toute la populace, non. Ah, j'entends une bouteille là. Elle doit être en haut. On était à combien? On était à 12 bouteilles sur 30. Je sais pas si on va récupérer tout maintenant, mais on va refaire un truc. Enfin, mais arrête de faire n'importe quoi! On refait un petit tour. C'est vrai que j'avais dit, il faut absolument que je récupère les bouteilles avant qu'on fasse la prochaine... Mais reste dessus, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il est pénible. Ah mais là je pourrais pas aller de l'autre côté là. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah c'est bon. Bah je suis très étonné. Voilà, je suis l'étonnement, je fais l'étonnement, je fais... Ah voilà. Merci. J'attends le gif de ce moment sympathique. Alors j'avais pensé faire des vidéos à chouïa plus courtes mais plus condensées, tu vois. Où on ne s'attarde pas sur les choses inutiles. Bien que chercher des bouteilles, je ne sais pas si c'est fort utile. Enfin bref, je sais pas. Je trouvais qu'on allait un petit peu lentement les dernières fois. Vous savez que je me remets tout le temps en question de toute façon. Genre ouais, là je suis pas sûr tu vois, de ce que j'ai fait. Je pense que c'était pas nécessaire. Il y avait une bouteille là-haut, mais... à la base, il y avait une bouteille que j'entendais ici. Ah voilà. Elle est là. Merci. Y aurait-il d'autres passages? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un truc à ramener, ça. On va le prendre au cas où... Ah, faut un temps. Oh lolo. Oh lolo. J'essaie de passer dans des endroits chelous. Il y a des gardes là-dessous. Enfin, une minute pour rentrer, ça devrait le faire. Hein. J'entends des bouteilles de partout, maintenant. Du coup, j'ai envie de m'arrêter, c'est pas grave. On ramène ça, apparemment ça vaut cher. Allez, je me suis fait voir. Ne me fais pas. Ne me tape pas, ne me tape pas, ne me tape pas. Ok, super, c'est foutu. C'est foutu, laisse tomber. On a fait trop de la merde. Super. Super. Voilà, bon. Cet épisode commence. Mais n'importe quoi, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Cet épisode, c'est de la merde. Voilà, j'annonce. Plus condensé, moins de choses inutiles. Est-ce qu'on peut décrire la mort comme étant inutile? Je ne sais pas. En tout cas, on s'est bien viandé. Des fois, quand je veux trop bien faire... Non, mais... Voilà. C'est bien. Ouh, ouh, ouh. Les amis, le niveau est élevé. Oh ! Saloperie d'escargot ! La petite fontaine inutile. Pour le plaisir. On était venu si haut de ce côté, je ne suis pas sûr. Oui, 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 on était venu. Rien dans les arbres de ce côté. Non, ok, on est venu là pour rien, c'est pas grave. On va reprendre le chemin du truc à voler. J'avais entendu des bouteilles de partout. On va se concentrer sur les bouteilles. J'ai voulu te faire un épisode sympa. Finalement, il va pas se passer grand chose. Est-ce que ça vous pose un problème? Pourquoi venir là-haut? Tu ne sais pas. En fait, vous m'aviez dit aussi, il y a pas mal de bouteilles dans les arbres. Encore faudrait-il que j'y arrive. Là, on est dans un arbre. Mais il n'y a pas de bouteilles. On ne se fait pas repérer. Vous savez quoi, on va juste explorer. On se pose pas de questions. Oh, bonjour.
Ah, y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde, évidemment, y'a du monde. Pouf, pouf, pouf. Ça c'est fait. On attire tout le monde, on attire tout le monde, c'est génial. Non. Ok, il en reste plus qu'un. C'est rien, c'est rien, c'est rien, ça va passer. Hop. Ok. Nom de Dieu, nom de Dieu. Donc il y en a une là-haut. Ah! Il y a un mec avec sa lumière là. Comment je vais chercher cette bouteille là-haut? Il faut que je monte. Je suis vraiment pas sûr de ce que je suis en train de faire. Non! Oh! Ça va, c'est pas de l'eau qui tue ça. Il doit y avoir moyen de monter plus haut, mais c'est bon, on va attendre. Ah, lui il a un super truc. Allez, on le rate pas celui-là, on le rate pas. Oh, un anneau en bronze, c'est nul. Ok, j'ai dit on le rate pas, voilà. Bien. Ok. Ah, mais c'est un truc qui glisse, ça. C'est pas grave, ça passe. Voilà. Ok. 15 sur 30. On avance à un rythme effréné, les amis. Wouhou! L'exploration est à son maximum, à sa vitesse optimale. Ok, lui, il va me voir, c'est obligé. Non, c'est bon. J'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est bon, il est tombé, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 16 sur 30, c'est top. Est-ce que, en 2016, on le dit encore, c'est top? Je ne sais même pas sûr. Il y a un super garde là-bas. Je sais pas si en contrebas il y a des trucs, on va quand même essayer. Ok, j'ai glissé tout en bas en fait. On va choper le garde. Oh, il y a un truc à voler là. Attendez, on va peut-être tuer le garde là-bas avant de reprendre ça. Quoique, c'est pas grave. Au pire, ça reviendra ici. Comment je monte là-haut? Comment je monte là-haut avec les roues? Non, comment j'y vais? Grâce à mon binocom! Non. Non, bah, il suffit peut-être tout simplement de sauter correctement. Oh là, oh là. Oh là, oh là. Où suis-je? Voilà, merci caméra, c'est très gentil. Comment? Fallait pas sauter de là-haut, c'est impossible, je suis pas... Il est revenu, cet enfoiré, là. Par contre, il a encore un truc, lui. Une médaille en or, c'est pas mal. Super, super, on fonctionne très bien. Voilà, bravo, Lastico. On est très très efficace, je trouve. C'est merveilleux. Et ah, mais j'ai plus de pouvoir. Mais c'est pas vrai, je vais mourir. Non, 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 c'est la honte, là. Non, mais là, là, ça va pas du tout. Non, mais tombe pas. Mais c'est pas possible. Non, mais je vous jure, j'ai lancé l'épisode en me disant, ouais, je vais être trop efficace. J'y vais, là, bam, bam, bam. Résultat. On avance trop bien. En fait, c'est pire que d'habitude. Faut vraiment que je remonte là-haut pour récupérer cette bouteille. Je n'y crois guère. En plus, l'autre, il va être revenu parce que les ennemis, ils reviennent, ils renaissent en permanence, ils adorent. Oh, mais ils ont un trésor! Il est parti comme une torpille. Alors, attendez, attendez. Non, mais non! Oh, c'est bon. Croyez vraiment que je préfère ce son. C'est ça qu'il faut que je fasse vraiment. Alors là, attendez, 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 attendez. On va trouver la solution. En fait, l'épisode sera plus long pour pallier à un manque évident de contenu. N'est-ce pas? Parce que là, on est en train de se battre pour une bouteille de rhum, hein, donc... À moins que...
À moins que... Vas-y! Non mais c'est pas possible! Bonjour mon petit monsieur, j'en ai assez de vous. Alors voilà. Vengeance. Merci. Comment? Ça y est, l'allergie se fait sentir. Je commence à avoir le nez qui se coule. Moi je vais là-haut, non, de tout. Ah, peut-être que je peux m'accrocher aux roues. Non, non. Je peux pas du tout m'accrocher aux roues. Je prends la bouteille en cristal. Ok. Je suis circonspect. Je ne sais pas comment passer là. Il s'accroche à rien du tout. La caméra me fait des tours de vomi là. Non, 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 non. Ok, laissez, vous savez quoi? On s'en va. On va chercher d'autres bouteilles parce que là on a fait 4 bouteilles depuis le début de cet épisode, je crois. On est à un rythme, mes amis, mais un rythme que jamais vous avez vu. C'est spectaculaire. Non! Il y avait une bouteille là-haut. Ah, je peux y aller par là-bas. Il faut remonter, s'il vous plaît. C'est la meilleure vidéo que vous ayez vue de YouTube. C'est celle-ci. C'est la plus compliquée, la plus conséquente, La plus intense. Je sais, j'ai pas d'autres mots. C'est fantastique. Non mais... C'est rien. J'entends la bouteille. Je ne peux pas monter là-haut, ça glissouille. Où t'es, bouteille, où t'es? Ah, 19 sur 30. Là-bas, aïe. Là où il y a quelque chose, regarde, il y a un grand fil. Caméra. Gentil caméra. Comment on a toutes les bouteilles de ce coin paumé? C'est pas vrai, mais Rajan, pourquoi tu vas pas... Pourquoi t'habites pas ailleurs? Je sens qu'on va rush-kit les bouteilles, mais on s'est donné tellement de mal pour les avoir, ces bouteilles. On va pas les rush-kit maintenant. Ce serait quand même dommage. En même temps, je sais pas où il y en a d'autres à part celles que j'arrive pas à choper. Hein. Là, il y a le stylo magique. Je suis retombé tout en bas. Ah! Non, je ne veux pas, laissez-moi. C'est vrai que j'ai ma fiole en cristal à ramener en plus. Qu'est-ce que tu fais là? Waouh, 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 il m'a fait pipi dessus le mec. Ah bah oui, bah laisse tomber, je sais pas où je suis. On est bien là. Oubliez-moi. La cachette, la meilleure du monde. Alors maintenant je vois plus rien. Ah, je peux aller là. Je suis derrière la cascade. Tac! Tac! Ok. Vous savez quoi? On va rentrer au truc. On a... Mon dieu, on a fait 15 minutes d'épisode sur ça. Je suis... Voilà. Ah! Pas vrai ce truc. On ramène le truc en cristal. Qui, en soi, est une bouteille. On peut dire que ça compte. Dans un sens. Oh mon dieu. Oh non, 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 rentre chez toi. On rentre à la maison. C'est bon. Ok. On va la vendre. Et on va bouger d'ici parce que là... on est à 1000 et quelques... Alors attendez, qu'est-ce que vous m'aviez dit? La bombe soporifique, elle est bien, je crois. Oh, je sais plus. Faire la pointe. Vous m'aviez dit qu'il y avait des trucs bien. Et comme on est dans un épisode bien préparé, apparemment. Vous savez quoi, on peut acheter les deux. Haha, on s'en fout. Voilà, boum. On reprend Sly. Non, j'ai pris Bentley là. Oh, pire.
Au pire, maintenant qu'on est là, c'est pas grave. Il y a la bombe du dodo et le truc miniature, je crois. Voilà, c'est ce que vous m'aviez dit. Genre miniature. Ou alors miniature. Ok, j'ai rien compris. C'est vrai qu'il y avait un truc miniature pour rapetisser. Ou peut-être rapetisser les ennemis, tout simplement. Genre. Ah! Ouais, très efficace, très efficace. Ah! Ça a marché. La bombe du dodo. Ok. Alors, faut que j'arrive à me diriger jusqu'à la mission de Bentley. Alors, elle était où? Parce qu'il faut... Le problème avec Bentley... Bentley. Ça marche pas du tout là. Ah si, ça y est. Bonjour, bonjour, bonjour. Le problème avec Bentley, c'est que je peux pas marcher, enfin je peux pas grimper à tous les trucs que ça il peut prendre, donc faut que je me débrouille à monter tous les trucs par les chemins de base. Là je peux pas. Que fait une tortue dans l'eau? Bah elle se la... Voilà. Elle se la donne, qu'est-ce que tu veux? Alors faut que je... Oh là là. Bonjour. Non, par là. Voilà. Merci. Cette bouteille qui veut pas venir. Il reste toi là sur le truc. Je crois que j'ai raté. Non, si, je suis. Non. Ah, boudu! 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 Ok. Là on est bon. On va pouvoir commencer la mission. Bonjour, voilà. Ouh, contenu, chers amis, contenu. Comme je l'avais prédit, Rajan fait son tour du propriétaire quotidien. Selon mes sources, il a toujours sur lui trois schémas qui, une fois réunis, dévoilent tous les secrets qui entourent sa culture d'épices. Dommage qu'il n'ait pas aussi la moitié du cœur de Clockwork qu'on a vu sur les photos. Quelques fléchettes anesthésiantes et on rentrera chez nous. Malheureusement, mes fléchettes ne seraient pas assez fortes pour endormir Rajan. Ah, et comment comptes-tu voler les schémas? Rajan raffole des pastèques indiennes, il s'engouinfre goulûment. Et s'il en mange une en entier, il ne pourra faire autrement que de piquer un roupillon. Une fois endormi, je me faufilerai pour lui shipper les schémas. Formidable ton plan. Mais comment tu vas t'y prendre pour lui faire manger des pastèques? J'ai équipé mes fléchettes anesthésiantes de brouilleurs soniques. Rajan est tellement curieux que le bruit étrange qu'elles produisent suffira sans nul doute à l'attirer. D'accord. Alors déjà, c'est mission pastèque. Pouce vert si t'aimes la pastèque. Moi, j'aime pas. Désolé. Alors, est-ce que je suis censé... faire ça? Ça va être un peu chaud du filon, hein. Ah, mais c'est vrai, je peux zoomer. Excusez, épisode trop bien aujourd'hui. Ça marche pas ton truc. C'est de la merde. Attends, est-ce qu'il faut que j'aille sur place? On va essayer d'aller sur place. Oh, j'entends de la bouteille de fou là. Elle était vraiment derrière cette torche la bouteille ou en bas? Quoi ça? Oh, bon, je pourrais pas la prendre là. Ok, il y en a une ici, très bien. Pas mal. Pas mal de trouver des choses des fois. Alors déjà lui on va l'endormir pour que... Ok. Non mais là on est sur... À moins que... Putain, je sais pas ce qu'il veut que je fasse. Est-ce que... Est-ce que je suis censé lui faire faire tout le tour, tout simplement? C'est-à-dire que je peux... Je commence par celle-ci. Ouais, du coup, il va venir. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Très bien, monsieur. Donc, tu fais ça. Tu perds, Rajan est parti.
Ok, j'ai compris la mission, pas de panique. Le contenu de cet épisode, j'ai envie d'éternuer. Ah. Alors, il est où mon gros Rajan là? Il est là. Où est ma pastèque? Elle est pas atteignable d'ici, c'est super. Oh mon dieu! Où tu vas? Attends, non, pars pas. Reviens. Ok, ça y est, Neki grade. Tu fais ça. Tu vas de l'autre côté. Tu fais pastécasse populace. Mange. Oh, il a mangé. De la nourriture par terre. J'aime bien les pastèques. Alors, je mange juste les pastèques. Et après, je vais faire un petit dodo. Oh. Sauf qu'il y a un garde à côté. Donc, il faut que j'endorme monsieur le garde. Monsieur le garde qui est complètement foufou. Tu peux dormir? C'est bon. Go. La joie. Oh! Tu ne m'as pas vu. Discrétion totale. Ok. Putain, mais il y a des gardes de partout ici. Oh ah, Rajan maintenant. Où sont les prochaines pastèques? On va se mettre à un coin assez tranquille, genre ici, c'est pas trop mal. Rajan est là. Pastèque est... Oh, bouteille est là, regardez, bouteille est là. Pastèque est là-haut. Attendez, on va chercher la bouteille parce qu'on va pas déconner. Il y avait un garde. J'ai mis une bombe. Ok, 20 sur 30, les amis. 20 sur fucking 30. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énergie déployée? Attends, de l'autre côté, là. Ok. Les pastèques sont loin de là où tu es, Rajan, c'est chiant. Il y en a une là-bas, là, mais comment tu veux la tirer jusque là-bas? En plus, les ennemis, ils dorment pas... Oh, ah, non! Vas-y, je suis en pipi, là. C'est horrible, cette mission. Dodo. Ah. Rajan, attends. Est-ce que tu saurais venir là? Allez, voilà. Bonjour, fuis, mais plus vite que ça! Chut, c'est bon. Il y a trop d'ennemis là. Faut qu'on se trouve un point en hauteur. Là, on est pas mal. Disons qu'on est pas mal. Rajan. Arrête de déconner. Voilà. Oh, il saute! Mais voilà, mais il saute aussi! Mais pourquoi il me l'a pas dit, lui? Viens. Bah oui, bien sûr! Tu pouvais le dire plus tôt que tu sautais, là. Là, il y a de la pastécasse. Tu te fous de qui? Non! Il y a de la pastèque là, monsieur! Il est où? Non, merci. Hein. Attends, sors de là, avance-toi un peu. Là, ah bah voilà! Ok, on va tuer la chèvre là, le bouc du démon.
Alors, Dodo la bête. Dodo la bestiasse, là. Elle est partie. Elle est partie. Est-ce que c'est sans danger? Pas du tout. Ok. Non, mais qu'est-ce que ça fait, là? Et de deux. Et de deux. Non, pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Il va revenir là-haut. Je vais me faire tuer. Est-ce que ça veut dire ça? Si, tu le sais. Tu le sais. Déjà, on va se moucher ensemble. Un moment agréable après un échec. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit de l'échec. Le bruit de l'échec, tout simplement. Et là. Mais je croyais qu'il fallait recommencer à zéro. On a eu un semblant. Et en plus l'ennemi a disparu. Je ne comprends rien du tout. Mes pauvres amis, mais cet épisode, je vous jure, j'étais prêt à faire un épisode de folie. De folie. Finalement le contenu est ce qu'il est. Et il n'est pas comme je l'imaginais. Après, je ne sais pas si c'est grave, je sais qu'à chaque fois vous me dites moi, mais on aime bien quand tu fais des bêtises. Bonjour les ennemis, bonjour, bonjour. Je vous apprécie, ce n'est pas par ici, super. Je vous apprécie moins. Par où on rentre à la maison? Alors lui, par contre, attention les yeux. Ok. Ah, on en parle plus. On va continuer les bouteilles. On en est là, on en est là, quoi. Continuons les bouteilles. Foutu pour foutu, épisode bizarre pour épisode bizarre. Faisons les bouteilles. Oh, c'est tellement mieux de se déplacer avec lui. Allez, boum, on se casse de là. On s'en fout des gens. Hop. Voilà, je suis poursuivi, mais je n'ai rien à foutre, moi. Je m'en fous. On peut même passer sur les nénufs. Je suis étonné qu'il n'y ait pas au moins une bouteille dans les nénufs, mais bon. Hop là. Non, mais attends. Ouais, bah voilà, bah c'est bien fait pour ta tronche. Attends. On a fait la fumée et le gars, il nous voit encore. On se fout de qui? Non! Non! Tout va bien. Cet épisode n'est pas du tout rageant. Cette zone est parfaite. Monte là-dessus! Monte! Il n'y a aucun problème. Tout va bien. On va même refaire un essai vu qu'on est là. Voilà. Pas de soucis, le fun et l'amusement, le contenu diversifié et bonjour. Non mais, tu connais la fumée toi? Oh. Merci. Le contenu de qualité. Comme on aime, attendez parce que je ne peux même plus faire aucun de mes powers. Ah bah si je pouvais mais... je l'ai fait dans le vide. Peut-être avec la glissade, mais la glissade, j'ai plus de power pour ça. Je sais pas, je sens que vous allez me dire comment fallait faire et que c'était tout con. Oh, oh ah. Voilà, j'ai tout donné. J'ai tout donné, laissez-moi partir. Laisse-moi. Ah, il va me faire pipi dessus, lui, avec ses petites boulettes, là. Non. Laissez-moi vivre. Laissez-moi. Aïe. Vivre. Je voulais retourner sur le ponton. Elle empêche qu'il nous reste 9 bouteilles. Il y en a une.
On sait où elle est. On sait où elle est. Bam! Je suis sûr que le reste est en hauteur, parce qu'on n'y va pas trop en hauteur. Chut! Là-haut! Là-haut! Deux bouteilles, chers amis, c'est exceptionnel pour seulement 9,99€. C'est énorme! Boum! Boum! Il donne de la vie! Regardez, l'espoir revient! On est trop bien! Comment on monte là-dessus, bordel? Ah non, mais il veut encore que je monte sur des trucs chelous pour sauter dessus. Il veut que je saute dans l'arbre. Il faut que je saute dans l'arbre pour que j'aille chercher le string qui est tout là-bas. Il y a trois bouteilles! Trois! Attends. Regarde, je me parle, c'est trop bien. Il y a un truc à voler. Wow, le string ficelle. String là-bas. Faut monter tout là-bas. Oh, c'est terrible. À moins que Sly sache. Non. Non, Sly il glisse sur les cailloux. Non, il veut pas sauter là-dessus. C'est impossible. Non. On sait très bien ce qu'il veut. Il veut choper le string. À moins que... Attends. Regarde. Regarde bien. Là, je saute. Le mec est revenu, alors méfiez-vous. Tu veux pas? Non! Qu'est-ce que t'as fait? Où suis-je? T'es sérieux que tu veux pas t'accrocher là? Parce que regarde, elle pendouille trop bien, elle. Non, il veut pas, hein. Il veut pas. Peut-être que... Non. Ok, ça ne passe pas. Je m'en fous, je continue l'épisode. Je m'en fous, on est foutu là. On a fait un contenu... vert caca. Voilà. Parce qu'il y a les couleurs de contenu, tu vois, il y a le couleur belle, couleur bleue, couleur rose, couleur couleur fuchsia, turquoise, c'est joli, turquoise. Bleu ciel, quoi. Et t'as les couleurs caca. Jaune moutarde. Caca doigt. De toute façon, caca doigt, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est caca. Je m'égare dans des choses. Je sais plus où je suis là. Il faut que je chope le string qui est là-bas. Donc il faut que je remonte là-haut. C'est terrible ce machin là. Comment je monte là-haut? On va remonter sur les nénuves, sur les trucs comme ça. On pourra peut-être passer prendre celle qui est sur le pont là-bas. Bonjour monsieur, ne vous dérangez pas, je ne vous embête pas. Voilà, ça me saoule. De toute façon, on se fait repérer dans tous les coins. Ici, il y a des gardes de partout. C'est la débandade, la décadence. C'est l'épisode de la décadence. De toute façon, on est parti là-dedans. Poum! Ça te mate, toi. Regarde. Je vais mourir. Là, je vais pas faire. Non, je vais crever. Accroche-toi. Descends. On prend la bouteille au moins avant de crever, s'il te plaît. Ok. On est incognito pour le moment. Alors lui, on va le tuer. Évaporation de la vie, pas de la vie, parce que pas sympa. Entendez-vous de la bouteille? Pas du tout. Mais je peux pas monter sur ces strings là. Mais on vous ment. On nous ment là. On est en train de nous mentir sur le contenu. Attendez. Chut. Écoutez. Non. Mais t'es sérieux? Mais j'appuie sur rond comme un tardos. J'adore les tardos. Mais. Ah, c'est bon. Calmez-vous, tout va bien. Tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Regardez. Contenu qualité. J'entends une bouteille, mais je l'ai vue tout à l'heure, elle est dans l'arbre là-haut. Donc, ok. Contenu qualité, pas du tout en fait, parce que là on était ici. Ça va pas du tout, on n'est pas assez haut. Peut-être par ici. Oui. Là on est de retour au truc qu'on a perdu tout à l'heure. Ok.
Y a-t-il un monsieur méchant? Non. Tant qu'à faire, je prends ça. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un timer. On s'en fiche du timer, on s'en fiche. Ça va pas, comment je monte là-haut? C'est pas vrai, on est... C'est pas vrai! Il faut que je chope tout ce... T'enchaîtres, sans veut te... Vous savez quoi? Vous savez quoi? Regarde, regarde bien, regarde bien, regarde bien ce qui va se passer. Tu vas être impressionné. Tu vas être impressionné. Je suis impressionné là. T'es impressionné parce que moi oui. Oh, je suis impressionné. Je suis impressionné. Impressionné, impressionné, regarde, je suis à la maison. Pou, je dois ramener le stylo magique de je sais pas quoi. On y retourne. Enfin, parce que là j'ai récupéré ma vie. Ma vie, ma dignité, elle est revenue. Alors du coup, comment on était monté là-haut là? Comment? Si, je sais. Enfin, je sais plus. On était monté! On était monté sur ça, comment on a fait? Hello! Non, c'est bon. Là, regarde bien. Paf! Paf, je ne prends pas de dégâts. Je suis trop fou! Non, je suis fou! Tac! Ah, bam! De la vie, de l'espoir, on est full, on s'en fout. Hey, go, ne balance pas des boulettes, toi, voilà, regardez. On y est. En plus, c'est là où on doit faire notre mission, mais je ne veux pas la faire, je veux monter dans les strings. Qu'est-ce que je voulais faire déjà de base? J'ai oublié ma vie. Là. Ne va pas sur la mission, mon petit pote. Hein. Ce que je sais, c'est que tu peux atteindre d'autres strings difficiles. Ok. Comment je vais là-bas, nom d'un chien? C'est pas par là, en fait. Comment? Mais c'est pas par là! Comment je vais là-haut? Je vais devenir fou. Ah. Non mais là on est de retour sur le truc qui bouge. Ne me lance pas ta mission, Sly, hein. Je veux pas ta mission, moi. Il y a du monde là. Là. Oui. Je le sais. On l'a trouvé. Calmez-vous. Mon sang. Non, j'ai maté mon sang. Ah, il y avait un truc là. Attends. Lâche-moi! On est parti, ça y est, on est sur le bon fil! On y est! Il nous manque quoi? 5 bouteilles, 4 bouteilles! Juste au cas où, voilà. Il a pas marché. Non, c'est bon. On y est. Hé. Tu connais ça? Ok. Calme et sérénité. Est-ce que je peux tout choper d'ici? Je ne suis pas certain. Peut-être que oui, peut-être que non. On essaye, on prend ça. 27. Encore un timer, évidemment. 28. Où sont les autres bouteilles? Où sont les autres?
Qu'est-ce qu'on a laissé traîner? J'en entends une. Elle était dans l'arbre là, il faut que je rechope là-haut. Ok, donc là il y en a une. Très bien. Mais où est la dernière? C'est la question que tout le monde se pose. Où est la dernière bouteille? Je sais pas, j'écoute pour voir si j'entends le bruit. Il reste 20 secondes. J'entends une bouteille là. J'entends une bouteille ici. Ok, elles sont dans le coin. Elles sont dans le coin. Vite, 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 tant que t'es là, ramène ça. Ah! Pas possible ce truc. Non, 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 tu te chopes pas un truc. Tu te chopes pas un truc. Boum, 8 secondes, on y est. Boum, boum, boum. Le contenu est revenu en flèche, les amis. Le contenu est revenu. Ok, les deux bouteilles sont dans le coin là-bas. C'est obligatoire, elles sont dans les arbres du coin du string. Non, mais. Où suis-je? Caméra! Merci. Écoute attentivement, écoute attentivement. Non mais... Elle est là-haut, ok. Les deux sont avec le coin du string magique. Le coin du string magique qui se récupère ici. Je vais pouvoir vous laisser, on va pouvoir s'arrêter un de ces quatre, vous allez voir. La vidéo va s'arrêter. Elle était censée. Ah, jure, quand je l'ai lancée, je me suis dit, ouais, alors je vais changer un petit peu de technique. On va faire un petit peu plus court, plus condensé. 25 minutes, ça va être sympa. Sympathique. Ah. Je veux pas recommencer. Je veux pas recommencer. Pas de problème. Je disais donc, ouais, j'ai changé de technique. Je vais faire 25 minutes très condensées où il se passe plein de choses. Ça va être passionnant. Plus sympa comme ça. Je m'en fous, je l'ai eu. Ok. On retourne là-haut. On retourne dans la tour du string magique. C'est bon. Finalement, la vidéo est plus longue, 45 minutes, donc des gens ne vont pas regarder, enfin voilà. Parce qu'ils se disent, oh putain, c'est long, j'ai pas envie de voir tout ça, quoi. Faut pas abuser, oui. Oui, c'est bon. On l'a, on a tout, et je pense vraiment que... On a bien fait, j'espère. Donc les prochaines missions seront très intéressantes, elles sont juste là. Elles se feront l'épisode prochain, n'est-ce pas? Ce sera super, on va se laisser là. Petite précision, si vous avez tenu jusqu'ici, déjà je vous en remercie, je vous fais des bisous. Et peut-être que justement ça vous concerne cette réflexion que je vois qui dit « C'est dommage, tu fais pas beaucoup de vues pour 600 000 abonnés, tu fais 3000 vues par truc, enfin certains trucs font 3000 vues, les rediffs par exemple, d'autres font plus, enfin bref, pas beaucoup par rapport à 600 000 abonnés. » Si cela vous inquiète, sachez que moi ça ne m'inquiète pas du moment que j'ai assez d'argent pour vivre. Mais si vous voulez participer à l'essor de tout ça, si vous voulez qu'il y ait plus de choses, c'est à vous que cela... Voilà, comptez sur vous. C'est pas très français, mais c'est à vous de faire, parce qu'il faut partager, pouce-vériser, commentariser, pour que ça donne plus de poids, plus de référencement YouTube, des retweets, des partages Facebook, tout ça compte énormément. Faut vraiment que vous le sachiez, c'est énormément dans la balance pour le référencement et pour les vues, du coup, pour ce que vous inquiétiez. Certains s'en inquiètent. Donc voilà, si vous voulez participer à ça, c'est vraiment vous, votre part la plus importante. Après, des vidéos plus courtes et plus condensées, comme j'en parlais tout à l'heure, seraient peut-être aussi efficaces. Mais bon, apparemment, le jeu ne veut pas. Voilà, fumer pour toi, fumer pour toute ta famille. Je vous dis à bientôt, peut-être pour un épisode plus sympa. Mais vous m'aviez prévenu que cette zone était rageante, donc peut-être que c'est normal. Normal, en même temps, le boss s'appelle Rajan. Tu vois, le pour et le contre est normal. On se laisse, j'en peux plus. Et je vous dis rendez-vous la prochaine fois. À bientôt, bisous. Merci d'être comme vous êtes.